Ok, nous serons, voilà. Nous serons, nous serons, je viens de déclarer un nouveau mot, nous serons dans Inmatet. Les terres, pourquoi tu dis toujours Inmatet? C'est pas possible. On se retrouve donc dans la suite de notre épisode favori de Inmatet, épisode 2. Calme-toi, les terres. Calme-toi. Parce que ça va pas être possible, non? Pierre, tiens, c'est pas comme la dernière fois. On s'était pas arrêté dans une espèce d'escalier super lumineux, bouddhiste, que je sais pas quoi. I guess I've met Roy. How am I gonna get out of here? C'est peut-être un petit peu faible. Voilà, ce sera mieux. Ce sera plus de l'ambiance. Alors, mais du coup, je sais pas du tout où on se retrouve. On avait été agressé par un garde. Ah! Mais non, mais pas dès le début comme ça, sérieusement. Ok, la porte elle est verrouillée. Je peux toujours pas sprinter, donc pas de raison que je sois poursuivi. On va craquer une petite allumette là, parce que je vois que dalle. Ah, misère. J'espère que ça va pas me prendre un coup de tension dès le début comme ça, quand même, hein. Remis l'électricité, je crois bien. L'électricité a dû remettre la porte en fonction, je pense. Pas du tout. Il doit avoir une deuxième dans le coin. Parce que j'entends un bzit bzit. C'est bon là, hein? Je peux ouvrir la porte, j'espère. Oh. Non, ça flex ici. Ah non, d'accord. C'est les gens chelous. C'est les gens qui sont chelous là. On va refermer ça. Je suis obligé de passer. Oh là là. C'est bon, calmez-vous. Elle bouge encore. Ah, c'est les nerfs. Non, non, c'est bon, c'est les nerfs. Et là, il a le ventre ouvert, là. C'est bon, faut se calmer, hein. Il tombe où comme ça, concrètement, là? Ça doit être... C'est la descente de l'enfer, c'est ça? Ah bon. On va les laisser. Non. Ah d'accord, ouais, ok. C'est pas là. J'ai cru l'instant où il fallait sauter. On aurait dû sauter. Quoique maintenant on aurait l'habitude hein, de sauter. Ah ok, d'accord, il y a 4 mètres vers le bas. Descend 1. Il fait quoi exactement? Eh ben tu descends. Ah, il change celui-là et celui-là du fond. Lui, il va faire descendre celui-là de là, il va faire monter celui-là. Et celui-là. Quand tu veux, hein. Il fait bouger que celui-là de là-bas. Lui. Celui-là, celui-là. Et celui-là, aucun. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Donc celui-là.
Eh ben vas-y. Là. Et celui-là en dernier, vu que lui fait bouger aucun. Voilà. Et là normalement ça a ouvert la porte, c'est ça? Hier. Yeah. Ok, droite ou gauche? Escalier qui donne sur rien, donc ça sert à rien de venir ici. Même pas, voilà, j'ai craqué une allumette bêtement pour rien au final. Ah, misère. Pleine cellule qui s'ouvre. Et c'est la fête. Bonjour. Salut. Ça va? Ouais. Ça flex? Il a l'air bien tout seul. On va le laisser tranquille. Ça va? C'est le good? Ok, on va pas regarder dedans parce que je sens qu'il y a un vilain qui va se montrer là. Il va faire sa danse de tamoulé là. Et ça va pas le faire parce que je vais sauter dans tous les sens. Et après c'est moi qui va faire ma danse de tamoulé là. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière. C'est qu'une impression. Ouais. Ok, il va falloir que je trouve le bureau du directeur. Aujourd'hui, j'ai vu maman près de la salle à manger au premier étage. Elle m'a dit qu'elle allait partir pour un moment et que papa serait bientôt de retour pour prendre sa place. Mais elle m'a aussi dit que je serais bientôt le directeur. J'étais tellement heureux. Je vais bientôt être un adulte et je vais être le nouveau directeur. Puis maman est allée au bureau du directeur à l'étage et m'a laissé de nouveau tout seul, a fait que mes pensées rêvant de tout ce que je ferai quand je deviendrai directeur. Mmh. Et bah en gros, tout le monde devient directeur, quoi. Hein. Misère, attends, c'est quoi cette connerie? J'étais pas là, moi. Non, c'est des conneries, ça. C'est des conneries, ça, j'étais pas là, moi. Hein. C'est là que le garde m'a assommé. Ah bah oui, c'est là qu'il m'a assommé, le garde. D'accord, oui, c'est là qu'il m'a assommé. Donc moi, je suis sorti de là. En gros, il m'avait pris d'ici, il m'a entraîné là-dedans. Ok. Tout s'explique. Roy. Toujours une histoire de Roy. Il va falloir faire attention aux gardes, du coup. Il n'y a qu'une cantine. Personne dans la cantine. En fait, la cantine, elle est ouverte en plus. Non. Après, pas tout de suite. On va aller voir là. Discrètement. On a 40 boîtes d'allumettes. Mais non, pourquoi t'as appuyé bêtement? Oh là là, nique douille. Hector, c'est pas possible. Pas possible. Ah ah. Ok. Qu'est-ce que c'est? On m'a fermé la porte au nez. Ça a l'air utile. Ah, alors là, ça doit être certainement quelque part par là. Bloc. Soit Julia. Soit Dong. Ok. Ok, y'a pas de souci. Bah alors, tu le prends ton livre? Océan. Ah.
C'est le top. Ça explique rien de spécial. Hein. Ah, attendez, attendez, attendez. Du coup, ça donnerait quoi? Ah oui, il y a un numéro dessus. Ouais. Non, blop. Ups. Blop, blop, blop. 3. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Ok. Tout ça au final pour pas grand chose, hein. On m'a enfermé ici pour ressortir gratuitement. Ouais. Moi je dis c'est pas normal, hein. C'est pas ça quand même, hein. Quand on enferme quelqu'un. Ok. Je te laisse tranquille. Je te laisse tranquille, c'est bon. T'inquiète, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Non, il n'y a pas de souci, mec. Tu veux être tranquille, je te laisse tranquille. Moi, je suis comme ça. Oh oh. D'accord. Que feriez-vous si vous apprenez que votre femme vous trompe? D'abord, je lui fais passer un sale savon. Ensuite, je la mets à quatre pattes, je la fais en mode tour Eiffel. Et pour terminer, je fais de tas de choses vilaines avec certaines choses. Ah oh bah oui, mais tu ne fais pas déjà ça les terres avec ta... non, oh, c'est pour ça si elle me trompe. Je ferai tout ce qu'il y a à faire. Je n'en dirai pas plus. Une fois, docteur Ben m'a dit que les gens... d'abord de ces murs non pas de la tête tremblante, hein. Une fois docteur Ben m'a dit que les gens en dehors de ces murs n'ont pas la tête tremblante. Ah, il parle de ces gens qui sont là, ça veut dire que tous les gens qui sont ici ont la tête qui tremble. C'est l'Alzheimer ça normalement, non? Ah, mais ça... ah je... ouais, ouais d'accord, c'est une forte maladie d'Alzheimer, je peux comprendre effectivement. C'est le stade avancé de l'Alzheimer. Wow. 23-5. 1-18-5. Ah, c'est les numéros du loto, c'est ça? 23-5. On aura déjà le premier numéro. 1-18-5. Donc si on joue ces numéros-là, on a le numéro gagnant, c'est ça? Alors là, cette semaine, je serai millionnaire. Ouais. Oh. Mais non, docteur, tu gaspilles bêtement des allumettes pour rien. C'est n'importe quoi. Ah, ça c'est la série suivante. D'accord. Donc là, je peux gagner deux fois au loto. C'est intéressant ça. Hein, alors que j'ai ici de tout ça. Hein. Rien de spécial. Y a rien de spécial. Y a beaucoup rien au final. Hein. Ah, là, il y a une petite lettre. Ouh, quand même, il y a beaucoup à lire. Hein. Ma dernière conversation avec le docteur Ben Dorian m'a vraiment inquiété. J'ai donc décidé de la mettre par écrit, comme je m'en souviens, au cas où. Docteur, je vous ai déjà demandé plusieurs fois, comment suis-je arrivé ici? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces murs, n'est-ce pas? Henri, je serais probablement incapable de répondre à ta question. La réponse risquerait de te traumatiser. Je ne pense pas que quiconque puisse supporter ça. Mais faites-moi confiance, docteur, j'ai peine à supporter. Je ne pense pas que quiconque puisse l'accepter, le fait que nous ne sortions jamais d'ici. Et que nous ferions partie d'un tout.
Du coup, je sais pas c'est la voix de qui, là. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je pense pas à ça. Continue à vivre de la même façon. Vu que tu n'es pas violent et que tu peux aller n'importe où et n'importe quand, à part dans le bureau du directeur. Sais-tu pourquoi personne à part toi? Ah non, là je crois que c'est toujours le docteur. Bon, j'arrête. J'arrête. C'est bon. Sais-tu pourquoi personne à part toi et quelques autres résidents n'a vu le directeur? Henri, il est temps que l'on mette fin à cette conversation. Désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes tes questions. C'est ainsi que notre dernière conversation a pris fin. Cependant, je ne peux m'empêcher de penser à ce que le docteur Ben m'a dit. Que nous faisions partie d'un tout. Qu'est-ce que cela veut dire? Très mystérieux tout ça. J'ai fait un tour complet, c'est ça, hein? J'ai fait un tour complet. Ok, j'ai fait un tour complet, donc il n'y a plus qu'à retourner un peu en arrière et aller au à la cuisine, la cantine. Ok, donc on en apprend un peu plus à chaque fois. Là, on a pu savoir que au final, ben, qu'il y a tous les personnes comme ça ici, ils ont la tête qui tremblote. C'est un cas d'Alzheimer très avancé. Hein. C'est pas de leur faute. Hein. Ils sont comme ça. Et que le docteur Ben a dû faire des expériences pas très nettes, à mon avis, si vous voulez savoir d'où. Oh, là-bas, il y a une espèce de petit bureau allumé. Ah, moi, maman. Et la petite fille, ou le petit garçon. Non, c'est du bleu, ça doit être un garçon. Donc on doit avoir un petit garçon, je pense. Ou sinon, c'est parce que je m'en souviens plus. Peut-être on a une petite fille, c'est possible, mais je m'en souviens plus du tout. Ouais, je sais, j'ai joué déjà 3-4 jours et j'ai déjà oublié déjà. C'est monstrueux. Entre dans l'entrepôt, Ben. Ben? Attends, c'est moi, le docteur? Misère. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'entrepôt? Jonathan, can you hear me? Ben? Yes. You need to hurry. You're running out of time. The door to the director's office is above the storage facility. Ok, la porte de l'entrepôt, j'allais dire. La porte du directeur est au final juste au-dessus de nous. En dessous de l'entrepôt, donc on y est. Faut juste monter. Juste aller à l'étage, on y sera. Ok, ça c'est bon, je l'ai. Ah, la porte là-bas, quand même. J'ai envie de savoir ce que c'est la porte. Ouais, moi je suis comme ça. Non, elle est fermée. Non, elle est bien fermée. Il y a un truc qui va se passer là, ça devient pas net, je peux le pressentir. Ah non, je peux le pressentir, il y a un truc pas net. Ah, directeur. Bah, du coup, je fais comment? Oh! Ah non! Roy! Ah, c'est Roy! Il est venu avec sa matraque. Il va me faire encore des choses avec sa matraque. Il va me faire des choses avec sa matraque. Oh là 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 là. Roy, qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis en train de voler. Misère. Ouais, là c'est, je suis en plein délire. Roy, il m'a fait des choses là.
Je sais pas ce qu'il m'a fait, Roy, mais il a dû y aller dardard avec sa matraque. Hein. Hein, ventilation. Ventilation encore plus fort. Ventilation extra. Ventilation extrême. Voilà. Moi, je veux la ventilation extrême. Et la porte, là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire joli. Je pense que la porte, c'est pour se réveiller. Ouh, sacre bleu. Oh, ça fait pas top à la tête. Hein. Il ne se passe rien. Alors là, je comprends rien du tout. C'est un grand spectacle. Hein. Il est bon, on voit bien, il est inversé. C'est ce que j'ai fait là. Hein. Je l'ai fait inverser. Comme vous pouvez bien voir. Hein. Vous voyez, il est bien inversé. Donc le blanc à l'intérieur et il est en inversé. Sens contraire d'une aiguille d'une montre, quoi. Vous voyez, c'est bien ça. Ah non. Si. Ici, c'est ça. Hein. Peut-être pas ça. Peut-être je me trompe. C'est pas ça, hein, n'est-ce pas? De toute façon, il n'y en a qu'un seul qui est inversé. Et lui, il est droit. Lui, il est droit aussi. Lui, il est pareillement droit. Et lui aussi il est droit. Donc il peut avoir que l'autre qui est inversé. Hein. Ça peut être que ça. Ouais, c'est ça, ça peut être que lui. Ça, on est bien d'accord, ça peut être que lui qui est inversé. Après, il y a l'autre en dessous. L'autre en dessous, c'est pareil, je l'ai bien fait. C'est une sorte de. Comment je pourrais dire, grosse pétale. Comme une pétale de fleurs, en gros, hein, des pétales de fleurs. Quand on regarde bien, il est exactement comme ça, des pétales de fleurs. Vous voyez, pétales de fleurs. À part lui, il n'y en a aucun autre hein, qui fait des pétales de fleurs. Après, nous avons... Ici, nous avons une sorte de petite boucle. Un peu comme une voile de bateau, une sorte de voile de bateau, voilà, on pourrait dire ça comme ça. T'en regardes bien, vous voyez, ça fait vraiment comme une voile de bateau qui est bien tirée. Et si je regarde bien ce que j'ai mis ici, vous voyez, ça fait comme une sorte de voile de bateau. Et si je regarde les autres, il n'y en a pas qui font pareil, la même chose que ça. Et la voile de bateau était blanche. On aurait pu dire que c'est celle-là. Mais ça peut pas être celle-là. Donc à part celle-là, il n'y en a pas d'autre. Hein. Et celle-là, elle est trop rigide. Donc ça peut être que celle-là. Sinon, c'est l'autre. Mais alors, ce serait pas la même couleur blanche, ce serait une couleur noire. Là, ça aurait pas de sens. Vous voyez, là, on est bien sur ça. Et celle du haut. Bon, on peut dire que c'est simplement des espèces de croissants de soleil, croissants de lune, hein, ni plus ni moins, qui forment une sorte de enjoliveur. Voilà, on peut dire un enjoliveur de voiture. Quand on regarde bien ce que j'ai mis là, c'est exactement ça. Hein. Non, ça j'ai mis l'autre, la voile de voilier, mais en noir. Non, on a dit une sorte d'enjoliveur. Donc l'enjoliveur, c'est celle-là. Il n'y a pas d'autre chose à part celle-là. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai tout bien mis. Et pourtant, il ne se passe rien. C'est étrange. Pourquoi il ne se passe rien? Est-ce qu'il faudrait que je touche la porte? Que je
touche les numéros, les chiffres, les lettres, les symboles, les choses. Faire des trucs sensoriels. Non, c'est pas ça. Bon, bah écoutez, c'est peut-être ça là. Peut-être qu'on doit mettre le noir à la place. On va essayer. On va mettre l'autre à la place. Qui sait? Peut-être que c'est pas celle-là où on pensait que c'est blanc, mais plutôt celle-là qui est un peu noire. Voilà, celle-là. Ah, ah ben c'est ça. Ah. Ah. Le dessin était inversé. Bon. Ok. On se retrouve dans la suite. Ah. Avec peut-être la salle du directeur. Qui sait? Mais ça, vous le saurez dans le prochain épisode. Hey, yeah.